Et plop les gens, de retour en Céleste. Alors, contrairement à ce que j'avais dit à l'épisode d'avant, j'ai été obligé de m'arrêter pas au même endroit. Ça, c'est le défaut de la Switch, c'est qu'elle peut stocker qu'un seul jeu en mémoire, on peut mettre qu'un seul jeu en pause. Donc il y a un petit bout à refaire. Et évidemment, c'est pas le plus simple par lequel on commence. Ah, je me suis pas trouvé. J'ai fait n'importe. Ah zut. Allez, on se remet dedans. Allez, hop. Ah zut. Un peu trop loin. Ah non. J'ai oublié de changer le titre du stream et tout. Un boulet. On va attendre une seconde. Et re du coup. Hop, hop, hop. Ah non, j'avais sauté directement, c'était ça. Hop, hop, hop. Oh. Et bon, j'ai retrouvé comment on faisait ce petit bout de passage. Ah zut, je me suis pas grippé. La manette, même si c'est le lendemain, Céleste, c'est toujours un peu plus dur. On reprend, voilà. Je regarde déjà plus. Ah zut, non, reprendre le joystick, c'était au final pas le meilleur plan. S'il faut pas que je me laisse trop tomber. Voilà, là j'étais mieux préparé pour reprendre le joystick. Ah oui, je me souviens de celui-là. Zut. Je crois que j'étais déjà juste ici en fait, donc ça va. Non, j'ai peut-être réussi au final celui-ci. Ah. Je me souviens que j'avais galéré pas mal sur ce niveau. Mais je me souviens relativement de la solution. Qui m'avait été un peu donnée. Il est vrai. Dans le chat, qui était de ne pas prendre la plume à l'aller mais au retour. Mais plutôt au retour. Et mince. J'aurais pu faire. Si c'était pas une diagonale, je l'atteignais. Hop, hop. Thank you.
J'étais pas loin, j'ai pas pris. J'ai pas fait mon tour assez vite. Oh. Le saut me compulse le plus long possible au-dessus de, des pics et que je puisse utiliser mon dash pour la banane. Alors là, c'est un misclic. C'est un misclic. J'ai maintenu bas alors que je ne voulais pas. Je me suis pris les piques. Les piques. Celui-là, j'aurais dû le faire en diagonale. J'ai mon pouce gauche qui n'est pas très affûté sur les diagonales ou pas diagonales. Affûter ce coup. On va y arriver. Non. Passe d'abord par en bas. Mais faut éviter les pics. Oula. Et j'ai le droit de lui dasher dessus vu qu'elle me rend mon dash. Comme si je marchais sur une plateforme. Alors ici c'était en haut, en bas je crois. Ah non, en haut, au milieu. En haut, au milieu, et après on lui a tiré sur la tête, elle nous renvoie sur la plume. Et on peut passer en bas. Et je crois que c'était bah, du coup là où j'en étais la fois d'avant. Donc, ce fut rapide à rattraper. Là, il fallait que je monte en diagonale. Ah zut! Le petit saut à la fin de la plume là, automatique, m'a eu parce que j'étais trop près des piques. J'ai oublié de m'agripper. Enfin, il fait trop tard quoi. Alors ça c'était une mauvaise idée. Là, je sais plus utiliser un joystick. Ou alors il faut que je passe par en haut directement au deuxième endroit. Au troisième endroit. Hop. Non. Non, je pourrais pas.
Ah, ça va trop. Mais genre là. Non, c'est beaucoup trop compliqué par en haut. Le fait que ce soit trop compliqué par en haut à l'aller, j'essaie d'aller au retour, mais ça reste trop compliqué. Ce qui n'est pas pratique. Ou alors à ce moment-là, au deuxième tour. J'essaie de faire un tour là-bas, mais c'est... J'ai clairement pas le temps, normalement. J'ai essayé, mais... J'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps de revenir... Et mince. Je miss le clic. Oh putain. Allez, là j'y étais presque. Je suis content, le début je le réussis pas trop mal. Ici j'enchaîne alors qu'avant je m'arrêtais beaucoup. Cette plume au début, enfin la première fois, je galérais à la voir. Faut que je fasse un saut en diagonale juste après lui avoir sauté sur le crâne. Hein. Enfin sur les cheveux parce que. Est-ce que son crâne, on s'en fout. Ah zut, un peu trop bas. Un peu trop bas. Ouais, j'ai attendu, il faut pas attendre. Comme ça on saute au-dessus. Et c'est très bien. J'y étais presque. J'y étais pas loin. Oh zut, trop tôt. J'ai trop attendu. Allez. Oh. Ouh. C'est un rattrapage. J'y étais presque. Il fallait que j'enchaîne un peu plus. Les sauts. En diagonale, c'est pas la bonne direction. J'ai attendu. Mince, du coup j'ai fait une pente directe.
Et allez, à chaque fois je suis obligé de faire en vertical parce que j'attends trop. Ah, j'étais pas loin. Rattraper comme j'ai pu, mais ce fut trop tard. Petit pic est relou. Faites qu'il remonte surtout. Zut. Allez. Ah, faut que j'enchaîne, il faut que j'enchaîne, j'arrête pas de le dire. Pas loin. Ah, j'ai cliqué trop tôt du coup. Et le petit picou. Ah bah non, je suis allé trop loin. En fait, j'arrive trop sur sa face. Faut que j'arrive un peu plus de dessus, je pense, pour que je me fasse propulser vers le haut. Non mais même pas, j'étais arrivé pile dessus et je me suis propulsé vers le côté. Qu'est-ce qui se passe ? C'est d'essayer de passer par en haut, mais non, je me suis fait propulser sur l'avant, j'ai plus le temps de redescendre. Je vais essayer un autre coup quand même par en haut, on sait jamais. Hop, non, tout droit, je bois un petit peu d'eau. Déjà 20 minutes. Eh ben. Presque en tout cas. Le temps passe super vite quand on n'arrive pas à faire un niveau. Un niveau que j'avais déjà aperçu en plus.
Allez. Et j'ai oublié de repasser par haut moi ces temps-ci. Au-dessus, puis à son niveau, on reprend la plume en bas, en haut. Oh punaise, bon bah on va dire que c'était ça, hein. C'est juste super dur de d'y arriver, mais au moins on peut. Et mince, faut que je passe tout en haut, faut que je désapprenne de passer au milieu. Passer tout en haut. Sauter tout petit peu trop tard. Ça arrive, ça arrive. En haut. Oh là là, le... La boule. La boule magique. Ah, j'ai fait vers le haut parce que je suis obligé de tout faire au joystick. J'arrive pas à changer entre joystick et croix directionnelle assez rapidement. Sauf que les sauts, je les préfère à la croix, mais la plume à la croix, non. Ça va aller. C'est du vent. Faut pas que je dash, ok. Faut que je dash ou il faut pas, parce que j'ai pas l'impression de passer assez loin si je dash pas. Hein. Je vais m'accrocher. Je tombe juste à côté du truc qui gigote. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des pics en haut. Vu qu'il y avait la fleur rouge au milieu. Hop, fallait m'accrocher à gauche. Évidemment, pas espérer m'attaquer à droite. Je pouvais largement m'en douter. Oh là là, en plus. Va refalloir être très précis. J'aurais pu m'agripper. Mais bon, découverte du niveau, c'est compliqué. Le niveau n'est pas simple. On va y arriver. Ah non. Ah, je suis pas allé assez loin.
Ah, la diagonale qui est pas passée. Vérifier, c'est rare ça. Dashé trop tôt, super, je suis ravi. Que je dash tout droit, faut que je dash en diagonale, comme ça je vais moins loin. Ah, le petit boulet qui fait bien pas plaisir. Wow. Hey. Ah punaise, j'ai pas assez attendu, ou alors fallait que j'aille tout droit. Oh non, mais se faire zapper ici. Des fois je suis un peu court quand je vais prendre la première plume là. La première, il n'y en a qu'une. Quand je vais prendre la plume, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi je suis court des fois. Là je me suis trop fait buter en étant trop à droite, voilà, comme ça par exemple, ou en tapant le rebord trop à droite que. Que je veux rattraper, mais ça ne le fait pas. Il me mettait trop au centre du coup. C'est ça que je voulais dire.
Ensuite. Ouh. Ah, trop tôt, le laser est relou. C'est pas lui qui m'a tué, mais indirectement parce que je voyais pas bien le bout. Voilà. Oh punaise, il y a encore une... Ok, c'est bon. Je me disais, il n'y a pas de... Ah zut, j'étais pas mal. J'essaie de faire le dash sur la zone d'avant, enfin sur les zones d'avant avec Y plutôt que A, ça avait l'air de plus bien me réussir, mais sur cette zone là ça pas du tout. Oh là là, les pics ils sont relous. Putain, ils sont là pour ça. Faut pas aller trop loin pour le deuxième bloc, c'est relou aussi. Tuer des madelines. Ok. Non. Misclic sur la gauche. Allez. Trop haut. D'accord, faut aller tout à droite pour revenir au milieu. J'étais en... Mais non, mais je veux aller en haut, moi. Du coup, j'avais pas compris la fin du niveau encore, forcément. Ne l'ayant même pas entièrement aperçu qu'une seule fois, c'était compliqué. Ah là là! Je l'avais fait et je suis tombé sur les piquants. Oh
Ah non, là, il y a pas de mur. Oh là là. Voilà. C'est pas plané, on va se boire une autre gorgée. Et on reprend, on va y arriver. T'as de raison. Voilà. Oh, le laser qui part de l'autre bout du monde. Je fais ce comment ? Ok. Ah, je dash en misclic. J'ai mes doigts qui vont trop vite pour ce que je veux faire. Ok, il faut que je sois en bas et que je m'en aide. Ça m'a pas propulsé aussi loin que ce que je voulais, et de toute façon, il y avait des pics. Ok. Oh, c'est presque bon, un peu plus sur la droite, et je l'avais. Mais non! Ok, en plus il fait des allers-retours, donc c'est bon, il faut que je le... il faut que j'attende là-dessus un round. Trop retourner sur la droite, c'est pas cool. Ah, j'étais. Je me suis pris les pics, mais sinon c'était pas mal. C'est peut-être plus safe d'atterrir du côté gauche que du côté droit. De ce bloc là, par contre. D'ailleurs, si quelqu'un est sur le stream, est-ce que le son ça va? Le son de ma voix par rapport au jeu? Parce que je regarde les potards et là... Mince. Et là je me dis que ça va peut-être pas. D'avant ça allait et je n'ai pas trop touché. Enfin, je me souviens que j'ai réduit un peu le son du bureau des jeux PC du coup. Ah zut, il est reparti. J'ai pas les le switch du coup, je les ai pas réduits. Être un peu fort du coup. Je passe à travers tellement... Ok. Mince.
mince, trop tard. Oh là là, j'y étais presque. Non. C'est la diagonale haute que je veux. Elle est trop bas. Oh non, je me suis fait la boule. La boule. Ah punaise. Sens, mais je l'avais presque. C'est le retour de la boule, célèbre personnage du jeu télévisé Fort Boyard. Personnage récurrent qui, je crois, est mort. Si je dis pas de conneries. Il y a un bout de temps déjà. Des pads. Étrange, mais ça fait moins mal aux doigts. Et là, pourquoi on est propulsé sur la droite? Quand on tape bas de ligne, on est toujours propulsé sur la gauche normalement. Moi, je prends le joystick, ça par contre, personne ne le sait. Et personne pourra me répondre. Non. Et dire que la dernière fois j'espérais finir rapidement. Le niveau. On en est à 40 minutes, c'est toujours pas fini. C'est un drame, c'est affreux. Mais il se fout de lui. Pauvre couille. Il nous jette. Ah, tous les deux. Allez, là. C'est ça, c'est que je sautais plus, je me laissais tomber. Oh non, le coup de zapper. Frotter pour réduire la vitesse.
Et ce sera pareil avant les bumpers, les trois bumpers que j'atteins à peine. Pour réduire la vitesse, non pas que qu'on ait besoin de réduire la vitesse pour le gameplay. Enfin, genre là. On a besoin de réduire la vitesse du laser. Oh putain, j'ai fait un tir vers le haut. Bah, je me suis même pas rendu compte. Ah zut. Et c'est des sons en diagonale qu'il faut faire. Oula. Si je loupe mes petits sauts. Le trou un peu plus bas dans le pic m'a bait. J'ai cru qu'on pouvait y aller. Ah zut. Je me demande s'il y a des runs de Céleste Deathless. Ça serait évidemment un speedrun plus lent que le vrai speedrun. Dans le sens où... quand on meurt, on perd pas beaucoup de temps et... Et il y a certainement beaucoup de passages où tu préfères te ralentir. Enfin, préfères t'accélérer quitte à crever. Et du coup, s'il y avait une run deathless. S'il y avait une run deathless. Justement, on prendrait peut-être moins de. D'endroits risqués. J'attends trop. Ah, j'ai réagi trop tard, que j'étais pile au bon endroit pour sauter, mais... pas pour attendre le laser. En diagonale, j'arrive mieux à estimer la longueur du saut. Oh non, j'ai esquivé. J'ai hésité entre essayer de tomber directement sur Badlin ou faire un petit saut de plus sur le bumper et du coup j'ai fait un
un petit saut passé dans la mort. J'ai dit les sauts en diagonale, j'arrive mieux à estimer leur distance. Horizontale. Ou c'est plus exactement ce qui correspond le mieux. J'aurais pas dû lâcher ici. Ah là là, j'ai sauté trop tard pour avoir l'élan. Ah zut! Je lui ai fait le tour, ça le fait pas. J'avais déjà glissé. Oh, mais à chaque fois cet endroit. J'ai dashé, j'ai miscliqué sur le bouton. Je ne voulais pas l'atteindre. Endroits où il faut. Se ralentir, mais pas trop. Alors. C'est dur en fait de... Alors déjà rien que ça, je me dis ça va, c'est un saut au joystick, ça devrait le faire, mais en fait non. À la fin du niveau. Mince. Déjà là, je l'ai improvisé. Je m'étonne moi-même.
pense que j'ai un souvenir d'un speedrun que j'ai regardé. Et qui m'a dit mais non, là c'est une erreur de prendre d'abord la plume. J'ai eu un élan comme ça. Réflexion rapide, peut-être, je sais pas. Mais j'étais plutôt bien inspiré. Ah, et puis comme je me disais, j'y arriverai pas aussi bien que la toute première fois là où je suis allé loin. J'ai eu un gros coup de chance du débutant. Bon là, faut dire quand même que la première partie je la réussis plutôt bien. Ce qui est agréable. Oh. Allez. De revenir trop vite. Je me demandais ce qui m'empêchait de faire trop tôt. Plutôt sur le bloc, mais c'est juste que j'atteins même pas la plume. Mince. Ça m'a fait faire nimpe. Oh le laser au mauvais moment. Non, il y avait un petit diagonal. Il fallait aller un tout petit peu plus à gauche, mais non. Là, fallait pas dasher. On va finir son air de haut. On respire un grand coup et on reprend son calme. Zut, j'étais pas loin. Et non, je peux pas dasher dans ce sens-là ici. Je le sais. Thank you.
premier bumper, il me tue tellement de run, tellement d'essais plutôt. Ah, trop bas. Quand je me suis stabilisé à une hauteur, j'ai du mal à me dire non, il faut que je remonte encore un petit peu. Là, trop tôt. Dash un peu trop tôt. Ah zut, le petit coup dans la gauche qui passe pas. J'ai même pas besoin du laser pour me suicider. Le contrôle et les pics le font très bien tout seul. Je me suis surpris parce que j'avais survécu. Ah sur le dash, oh, c'est trop tard. Ici faire une fois au-dessus, une fois sur le côté, ça marchait bien, faut que je prenne cette habitude. Il faut que je perde l'habitude de sauter dans les pics directs sans prendre la plume aussi. Dessus une fois sur le côté, je me prends quand même un laser. Allez, ça va faire. On se calme et ça le fait. Faire une découverte de Farewell aussi en live quoi. Pourquoi est-ce que je me suis engagé? Je vais tellement galérer, vous allez tellement avoir un épisode par niveau, par tableau. Ce n'est pas grave hein. Ah là là. Je me suis surpris à ne pas être mort sur les pics. Oh là là, j'arrive pas faire le bon saut en de manière consistante avec le joystick. Hein. Fallait pas dasher, faut attendre la fin. Je le sais pourtant. Voler le mauvais mur, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Voilà, là ça aurait été bien si j'avais été
un au-dessus, un sur le côté, mais non, j'ai fait un à gauche et du coup un à droite. Mais toujours en diagonale haute. Allez, faut pas que je dash ici, sinon je me prends le laser. Et là, tous mes repères de à quel moment je me prends le laser sont perdus. C'est pas grave, je me prends les pics. Ça compense. Quand j'ai fait le dash vers l'eau, je voulais juste gagner du temps pour le laser, je voulais pas prendre le bumper du haut. C'est pas cool. Allez, on va y arriver. J'espère que c'est le dernier niveau avant le cœur. Ça commence à faire long là. Ça commence à faire long, surtout ce niveau en plus. Déjà que ça fait une longue réflexion, je crois, qui s'appelle ce chapitre. En prenant le bumper un peu trop sur la droite, je me prends les pics. Et j'ai dashé dessus, mais trop tard. Bien évidemment. Mais ce laser toujours là. Oh putain. Le dash qui m'a sauvé juste au moment des pics. Il fait un dash horizontal. Belle pure, mais c'était très compliqué. Mais ce laser, comment je peux l'avoir?
J'arrive déjà pas à avoir des lasers. Enfin, jusqu'ici c'est constant. On va essayer en faisant 3 sauts. Hein. Là, en faisant 3 sauts. Ça a l'air correct. Ça devrait l'être aussi, mais c'est trop dur pour moi de tomber directement comme il faut sur le bumper. On l'a vu au début. Un, deux, laser. J'ai lâché la droite. J'ai fait que 2 tout saut et du coup je me fail. Un, deux, trois, quatre. Ça le fait pas 4, ça va jamais le faire. J'essaie de continuer à monter. Ici le 4, enfin ce 4 là, est-ce que partir du bumper, je peux pas dire que je suis dans quelque chose de régulier. Oui c'est bon. Ah oui, et c'est le cœur. Sur depuis la droite comme ça, ça me donne un gros boost.
con, faut que j'attende que le bloc réapparaisse, pas qu'il disparaisse. Là, j'ai attendu qu'il disparaisse. Ok, il est apparu. J'avais perdu le rythme. Oh là là, je fais n'importe quoi. Mais non, j'ai pas fait gaffe au timer, je fais pas gaffe à quel moment il faut que j'y aille. Allez. Ben non, j'ai attendu qu'ils disparaissent. Avec un bum dessus, c'était bon. Il disparaît. Il réapparaît. Il disparaît. Il disparaît. Ok, il y a le cœur juste là. On y est presque. Mm-hmm. Voilà, j'avais pas pris le bonhomme pour me faire fracasser. Centre de la Terre. Cette double image est cool. Madeline en paix, quand elle ouvre les yeux, c'est Madeline qui nous regarde au final. Et nous n'avons fait que... que 1084 morts en deux épisodes. Sur ce niveau, bah j'espère que ça vous aura plu de me voir crever autant et galérer autant. Mais c'est cool. C'est cool. Rapidement, où est-ce qu'on en est? On va commencer par la fin. On a tout ça. Apparemment, on peut les réorganiser pour faire un poème ou je ne sais quoi. Pour le moment, je les garde dans l'ordre d'acquisition. C'est plutôt cool jusqu'à ce que je les ai tous, je trouve. Il y a deux niveaux qu'on n'a pas fait sur la face B. Il y a... Bon, les temps, si ça vous intéresse. Là, moi, tout de suite, apparemment. Si, réflexion qui a été deux fois plus long, même plus de deux fois plus long que pour la face A. Hein. Et du coup, les cœurs. Donc, il reste le sommet en face B. Il reste le cœur du sommet en face A. Et en face B, c'est mal parti. 1084 morts, c'est là où on est le plus mort. Juste avant, c'était le sommet en face
en phase A. Du coup, ça annonce du bon pour les prochains épisodes. Après, on aura le cœur. Et après, potentiellement la phase C. Et après, farewell. Donc adieu là. Ce qui nous laisse beaucoup de choses. Hein. Il nous reste beaucoup de choses. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce vers le haut, ça fait plaisir. À venir sur les lives, à chatter avec moi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Et sur ce, à très vite.